Salam alaikum wa rahmatullah, Azul Flaoun, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, inshallah. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, inshallah. Je vais vous montrer quelque chose de très bizarre. Je suis sur les bords de la Moselle, au Grand-Duché du Luxembourg. C'est vraiment bizarre. Je suis entre Strat, Bredimush et Einen. Alors, je pense que je vais le faire comme ça. Je ne sais pas comment je vais le faire. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas si vous la voyez. L'orientation est bloquée, faites pivoter votre appareil. Bon. L'orientation est bloquée, faites pivoter votre appareil. Ah, d'accord. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Alors, je sais pas si vous la voyez. Oui, là j'agrandis. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est bizarre. C'est un poisson, ça remonte à contre-courant. Ça doit faire plus d'1,20 m, 1,30 m. Je vais essayer de me rapprocher. Ça fait 10 minutes que je surveille cette créature qui n'a pas vraiment. Et ça remonte à contre-courant, donc c'est pas un objet. Si c'était un objet, ça descendrait vers la droite. C'est quand même bizarre comme. Il cherche la chloroquine, je sais pas s'il cherche la chloroquine. En face, c'est l'Allemagne, au fait, pour mes auditeurs. Je suis interdit d'aller en face. J'ai pas le droit. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ça remonte. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on voit la tête, on voit la queue. On voit la tête qui bouge, la queue elle bouge pas. Rahmani Yassine, bonjour Soraya Anna. C'est un. Non, non, c'est pas un saumon. Non, pas du tout. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Ah, je le vois bien là. C'est un truc de fou, ça.
et ça nage. Le souci, c'est que si ce n'était pas à contre-courant, j'aurais pu dire que c'est un objet. Mais c'est à contre-courant. Le courant va vers le bas et lui, il remonte. Donc ça nage. Non, je vois pas de nageoire. Non, non, je vois pas de nageoire. Bon, je vais le suivre. En fait, voilà, je vous montre où je suis. En face, c'est l'Allemagne. Et juste là, en face de vous, il y a une créature bizarre. Mais je vais remonter jusqu'à ce que je puisse être sûr de ce que c'est. Je vous dirai ce soir. Un alligator, non. On n'est pas aux États-Unis ici. Non, non. Et c'est grand, hein. De visu comme ça doit faire 1,20 m. Un poisson, ça nagerait différemment. Parce que les frontières sont fermées. Les Allemands ont fermé les frontières. On n'a pas le droit d'aller en Allemagne. Du Grand-Duché du Luxembourg, on n'a pas le droit. Les Allemands ont fermé les frontières. Il y a un pont un peu plus loin là-bas pour traverser entre le Grand-Duché du Luxembourg et l'Allemagne et on n'a pas le droit. Il y a la police. C'est un poisson handicapé? Je ne sais pas. Je répète, ce qui me pose problème, c'est que c'est à contre-courant. Ça va, la Moselle, elle va par là. Et lui, il remonte par là. Il n'y a personne, non, non, il n'y a personne, non, c'est confinement, là, je vais en forêt, là, là je vais là-haut. Avec le confinement, alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le confinement, alors ici, ça fait plus ou moins, on est le 10, ça fait 25 jours. La rivière, elle s'est éclaircie. Je pense que tout le monde est au courant qu'avec le confinement, il y a moins de pollution. Eh bien, cette rivière qui est la Moselle, elle s'est complètement éclaircie. Elle est devenue quasi transparente. Et maintenant, vous avez des créatures qui sortent bizarrement de nulle part. Sérieusement, hein? Et ça continue à monter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais je suis sûr que c'est pas un poisson, j'en suis certain. Mes compatriotes allemands qui sortent en vélo, là, enfin compatriotes, c'est pas mes compatriotes, c'est mes voisins. En face, vous avez des vignes. Bon, allez, on va retourner au poisson. Plus haut la caméra. Ah oui, plus haut, merci. Voilà. Ah, vous savez, je suis pas un grand cinéaste. Hein. Je vous montre un peu le paysage. Ah, j'ai zoomé. J'ai zoomé à fond.
J'ai zoomé à fond. Je commence à avoir mal au bras là. Bon, de toute façon, on n'aura pas la solution. Non, non, il fait pas du surplace. Je vais vous montrer où j'étais. Non, non, il fait pas du surplace. Vous voyez, ah ben, j'étais plus ou moins là-bas vers les maisons au bout. Et j'ai fait une centaine de mètres en remontant. J'essaye de zoomer, mais il n'y a pas. Bah écoute. Non, il va pas me fatiguer. Absolument pas. Alors là, si lui me fatigue, c'est bon, je démissionne. C'est une branche. Bon. Une branche ondulée qui remonte à contre-courant, je veux bien. Les trains allemands sont vides. Il n'y a personne. Bon. C'est un clandestin. Raga. Mais je sais pas d'où il vient. Regardez, vous voyez plus loin là. Il y a un canard. Vous voyez le canard? Eh ben, le canard, vous voyez bien qu'il remonte à contre-courant. Ça se voit, non? Est-ce que vous le voyez, le canard? Bah, lui il est là. Bah, est-ce que vous voyez quelque chose? Lui il est là, voilà. Et le canard va le dépasser. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez le canard. Voilà, vous voyez le canard, il est juste au-dessus. Il le dépasse. Et il est à contre-courant. Non, non, un jet de pierre, non, je fais pas ça. Tapade. Ça n'a pas l'air d'être un poisson. Ah, on va pouvoir réfléchir longtemps. Ah, là, je vais pouvoir me rapprocher. Désolé, hein. Voilà, là, hop, attendez. Là, je suis au plus près. Voilà. Vous le voyez? Et vous voyez bien qu'il nage. Eh bien, je vais vous laisser, je vais appeler les pompiers. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Bon, je vous souhaite un bon confinement. Et à ce soir, Inch'Allah.
Oui, promis, à ce soir, 20h30. Merci. Merci, je vous ai fait partager. Je vous ai fait partager cette bizarrerie. Eska Maïvra. Eska Maïvra Rabbi. Bye bye, à ce soir. Comment on fait pour arrêter ça? Je ne veux pas comment on fait pour arrêter ça. Bon. Oui, la laisse. À ce soir.